Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs, où nous sommes toujours dans les exercices sur l'attraction. Alors, cette partie a été jouée entre Capablanca et Marshall. Cette position fait en fait partie de la théorie des ouvertures. Et la question c'est, pourquoi les blancs ne peuvent-ils pas prendre le cavalier dans cette position, selon la théorie? Donc, je vous laisse réfléchir. Bien, si les blancs prennent le cavalier, fou G3 est alors très tentant. Mais il ne faut pas jouer ça tout de suite car ce serait une erreur. Car après, ils se font eux-mêmes mater. Après, dame prend F7, tour prend F7, et tour E8, mat la tour étant clouée. Donc, il faut prendre garde. Après, dame prend F2, qui est bel et bien une erreur. Les blancs doivent d'abord attirer le roi noir en F1 pour éviter cela. Donc par fou H2, échec. Alors, certainement pas roi prend H2 parce que sinon la dame capturerait la dame blanche. Donc roi F1. Et alors, oui, fou G3. Et cette fois-ci, le sacrifice ne marche pas, car la dame blanche est prise avec échec. Après, dame prend F7, échec. Alors, tour prend F7, échec. Échec au roi blanc. Et donc, l'attaque ne marche pas. Et les blancs perdent. Bien sûr, dans la partie, Capablanca connaissait la théorie des ouvertures. Et il n'a pas joué la prise du cavalier. Il a joué j'ai une erreur dans mes notes, c'est pas grave. Il a joué cavalier D2 et il a gagné la partie. Bien que ce coup ne soit pas le meilleur du monde, mais ce coup évite ce piège et il a rapidement pu gagner la partie. Voilà, alors prochain exercice dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.